Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je m'habille pour la rentrée chez New Yorker. Je ne connaissais pas du tout cette enseigne et je vous avoue que j'ai été étonnée parce qu'ils ont vraiment beaucoup d'articles à prix très très intéressants. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai chopé. Il y a des vestes, des petits hauts, des petits bas, voilà, il y a un petit peu de tout. Donc on va regarder ça ensemble, c'est parti, feu patate. Et on commence cette sélection avec des basiques. Voilà, petit basique. Chez New Yorker, ils ont énormément de basiques, ils en ont vraiment plein, il y en a vraiment pour tous les goûts, donc tout le monde devrait trouver son bonheur. Moi, j'aime assez ceux-là, en fait, ils sont synthétiques. Vous voyez, ils sont synthétiques, c'est pas du tout en coton. Ils sont près du corps, j'ai pris en bleu ciel comme ça, et en noir. Voilà, et ils sont à 4,99 l'unité, donc c'est pas très très cher. Alors, j'ai trouvé trop mignon ce petit haut. Voilà, blanc et noir. J'ai adoré, il est trop chou. Par contre, arrivé à la maison, il est transparent au niveau des tétons. Je suis sûre que je le mettrai finalement, donc je suis trop deg, mais il est trop mignon. Je vais quand même vous montrer en vidéo ce que ça donne. C'est une taille S et il est à 6,99. Aussi le même, mais les couleurs inversées, c'est-à-dire que tout le blanc est en noir et les bordures en blanc. T'es mignon aussi. Mais bon, j'avais craqué sur le blanc, mais bon, j'aurais dû prendre le noir finalement, vu qu'il est transparent. Ne me demandez pas pourquoi je suis allée acheter ça. Je l'ai trouvé en fait juste magnifique. Alors, je vous montre un petit peu la couleur. Il est noir métallisé. C'est clairement un haut d'été, mais j'ai craqué quand je l'ai vu. Je l'ai trouvé trop beau. À la base, je l'avais vu en blanc et finalement en noir. Il n'y avait pas ma taille en blanc, donc je l'ai pris en noir. Et en fait, il a un dos nu juste magnifique. Et j'ai craqué tout simplement, donc je suis allée le choper, mais bon, je le mettrai certainement pas cet hiver. Hein. C'est une taille S et il était à 4,99. Voilà, pareil, hein, pour l'hiver, il ne servira pas à grand chose. C'est un petit pull en maille bleu pailleté comme ça, avec les manches un petit peu plus larges sur le bout. Donc il est trop mignon, il faut mettre quelque chose en dessous bien sûr parce qu'il est transparent sinon. C'est une taille M, je l'ai chopé à 4,99, pas très cher. On arrive dans des articles qui sont un peu plus en raccord avec la saison. J'ai chopé ce petit pull kaki, un peu marron kaki, je sais pas, la couleur est un petit peu, vous voyez, un peu, je sais pas, j'arrive pas trop à déterminer la couleur. Mais il est très mignon, c'est un peu un pull crop top, voilà, manche courte. Il est super doux, il est vraiment très très doux. Il est à 14,99, voilà, c'est une taille XS. Alors comment vous dire que j'ai craqué sur cette chemise kaki, elle est juste magnifique. Pareil, on est sur une chemise un peu crop top, voilà, manche longue, elle est trop trop belle. Franchement, j'ai trop craqué. Elle est à 16,99 et c'est une taille XS. Elle est trop trop belle. Quand elle est boutonnée, là, vraiment entière, fermée entière, hein. Magnifique. Chopé, alors ils en avaient de plusieurs coloris. C'est un jogging cargo, donc avec des poches sur les côtés, serré, voilà, sur la cheville. Donc là, c'est un marron foncé, mais ils avaient du vert, ils avaient en gris, ils avaient en noir, ils avaient en beige. Et franchement, il est trop trop bien. On est trop à l'aise dedans. Donc là, à la maison ou même dehors avec des petites baskets, trop sympa. Même pour faire un petit training à la salle et tout, pourquoi pas, il est vachement confort. Je l'ai payé 19,99 me semble-t-il et c'est une taille 36. Gros craquage d'une jupe longue en soie. Voilà, elle est trop trop belle. Alors, on l'a assez vu, hein, la mode de la jupe longue en soie avec un petit pull, des bottes et tout pour l'hiver. Je trouve ça tellement beau. Donc, c'est un petit peu le but de cet achat, de s'habiller avec un gros pull et tout avec. Ce sera juste magnifique. À la base, je la voulais en blanc parce qu'elle existe en blanc, hein, chez New Yorker. Elle est trop trop belle, blanc-gris un peu, mais juste magnifique. Sauf qu'en fait, quasi toutes leurs jupes, parce que moi j'ai regardé tous les coloris confondus, il y avait vert, rouge et blanc. Et en fait, toutes leurs jupes étaient, tu sais, vu que c'est de la soie, il y avait des accros, tu sais, des fils comme ça là, comme si des ongles étaient passés dessus. Et ben, c'est la seule que j'ai trouvée qui n'était pas abîmée. Voilà, donc j'ai sauté dessus, mais c'était pas du tout la couleur que je voulais à la base. Mais enfin bon, c'est pas grave, elle fera très très bien son effet, elle est trop trop belle. Elle est à 17,99 et c'est une 34. Ensuite, on continue dans les jupes longues. Alors, j'ai pris ce style de jupe longue qui est ouverte sur le devant. J'ai pas du tout ce style d'article dans mon dressing. Voilà, ça fait longtemps que j'en voulais une. Je trouve que ça n'allait pas en fait jusqu'ici.
Et bah, j'ai voulu tester, je suis tombée sur celle-ci à New Yorker. Elle est trop mignonne avec cet effet un petit peu velours là, côtelé, magnifique. Donc là, celle-ci, je l'ai payée 16,99€. Je vais la faire dans chaque vidéo, je crois. Ça doit être la poussière des fringues ou quoi, je suis hyper sensible, punaise. Oui, donc qu'est-ce que je disais ? J'ai payé 16,99€ et c'est une 36. J'ai trouvé une chemise longue. Je l'associerai plus à une chemise de plage. Pour le coup, elle servira peut-être pas cette année. Mais pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'aurais mise. Vous voyez, c'est une chemise. Voilà. Comme ceci. Donc en maillot en dessous, ce serait juste parfait. J'adore cette matière. Et pour la plage, c'est parfait. Et voilà, elle a un petit cœur derrière avec un petit mot. Elle est trop trop mimes, franchement trop mignonne. Je sais, je pourrais peut-être la mettre cet hiver, mais avec quoi, comment? Elle est super longue en fait, donc elle va plus me déranger qu'autre chose. C'est une taille S et je l'ai payée 9,99€. Chez New Yorker, ils ont un grand rayon de sous-vêtements, de lingerie et de la lingerie un petit peu sexy quand même. Alors je sais pas après la qualité. Moi j'ai trouvé un petit ensemble, voilà, comme ceci, le haut, donc trop mignon, un petit peu en soie, en satin, avec le petit short. Chaque article était à 7,99€. Voilà, donc 16 euros l'ensemble. En vrai, là, chez New Yorker, il y avait déjà une panoplie de manteaux de tout type, franchement, des longs, des courts, des tout ce que tu veux en matière. Je n'étais pas prête mentalement à m'acheter des grands manteaux d'hiver. Là, pour le coup, on va rentrer en automne, donc chaque chose en son temps, parce qu'on sort de l'été, déjà qu'il était court. Hein. J'avais pas trop envie de partir directement en hiver. Donc voilà, je suis partie sur des petites vestes de transition. J'ai trouvé cette surchemise en daim. Voilà, elle est trop trop belle. Elle est super longue, mais elle est très très fine. Hein. Franchement, elle est assez fine. Et elle est... Bon, elle est trop mimes quoi. Elle est trop mimes, voilà. Essayez, ça sera plus parlant. 9,99€ et c'est une taille 34. Ça fait longtemps que je cherchais un espèce de blazer court, un peu crop, parce que j'ai des blazers longs, mais je trouve que ça va pas toujours avec la tenue si on met des robes longues. Enfin voilà, c'est pas forcément flatteur de mettre un grand blazer long par-dessus. Donc je voulais trouver un petit blazer assez court et j'ai trouvé celui-ci. Bon bah voilà, hein, rien de transcendant, mais il a des petites épaulettes. Il est assez agréable. Alors pareil, il était en solde celui-ci. Je pense que c'est une fin de série. J'ai chopé à 14,99€ et c'est une taille 36. J'ai trouvé cette veste en jean. Franchement, elle est trop belle. Je suis trop fan. Je la trouve trop jolie. Avec toutes les petites poches, voilà, les petits détails, les petites sangles qui tombent. Enfin, les petites sangles. Vous voyez là, qui retombent sur les poches. Pareil, on est sur une veste un petit peu crop. Hein. Elle n'est pas très très longue. Mais voilà, elle fait tout son effet avec le petit effet là derrière, des petites coutures un peu déchirées. Je kiffe, elle est trop trop belle. 14,99€ et c'est une taille XS. Trop belle! Voilà, tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des petites idées, pourquoi pas. N'hésitez pas à aller faire un tour chez New Yorker, ils ont vraiment plein de choses. Franchement, si vous ne trouvez pas votre bonheur, c'est que vous êtes vraiment très difficile. J'espère que cette sélection vous aura plu. Je vous fais à toutes et tous de gros bisous. Je vous souhaite une bonne rentrée pour cette année 2024-2025. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.